Salut, 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 salut les gars, voilà, c'est toujours moi le Sam Hospital et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Donc aujourd'hui je suis juste là pour vous présenter une bourse, voilà, et c'est la bourse italienne de Bologne. Mais avant de passer à la bourse, je vais d'abord répondre à quelques questions que d'autres abonnés m'ont posé. Voilà, en ce qui concerne comme ça la bourse de l'Autriche. Voilà, c'est la bourse de l'Autriche. En ce qui concerne la bourse de l'Autriche, pour les lettres de recommandation, vous savez déjà que les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir postuler c'est-à-dire vos documents doivent être en anglais. Donc, en ce qui concerne la lettre de recommandation, vous devez aussi rédiger cette lettre-là en anglais, y compris la lettre de motivation. Donc, il n'y a pas d'exception, même si c'est un professeur de français qui a rédigé, il doit rédiger la lettre en anglais. Voilà, donc. Il n'y a pas d'exception pour télécharger des éléments en anglais et rédiger une lettre en français. Vous voyez qu'il n'y a pas de, ça ne coïncide pas, il n'y a pas de corrélation. Donc, ce que vous devez faire, vous devez mettre tous les documents en anglais. Voilà. Et en ce qui concerne la bourse de la Belgique, j'ai déjà fait une vidéo. Donc, vous allez postuler avec cette vidéo-là. Et puis, comme je vous ai déjà dit, ceux qui n'arrivent pas à postuler, vous pouvez nous contacter inbox pour qu'on puisse vous aider à postuler. Je me suis arrêté à l'étape où je dois attendre 24 heures avant qu'on me réponde pour que je puisse continuer. Vous comprenez? Donc, si on me répond, je vais continuer, mais je sais qu'ils vont pas me répondre parce que les données que j'ai rentrées sont pas de vraies données. Vous comprenez? Voilà. Donc, aujourd'hui, je suis juste là pour la bourse italienne, la bourse de la Bologne. Donc, pour ceux qui veulent postuler, sachez que c'est les mêmes éléments. Vous devez avoir votre passeport, vos diplômes, plus les relevés et tout ça. Et en ce qui concerne la langue, vous n'êtes pas vraiment obligé de connaître l'italien avant de pouvoir postuler parce que vous allez faire des cours de première année là-bas en Italie, voilà, dans la langue italienne. Mais ce qui est important, c'est quoi? C'est le test d'entrée. Si vous choisissez par exemple mathématiques, voilà, il y a 90% de chances qu'on vous demande de faire un test d'entrée. Mais le test d'entrée n'est pas vraiment très accéléré, c'est-à-dire n'est pas vraiment très difficile, très compliqué. Voilà, mais il y a des filières qui sont exemptées du test. Voilà, vous n'allez pas faire le test, vous allez pouvoir postuler directement. Et pour les mathématiques, c'est très important parce qu'il faut avoir une base pour pouvoir postuler à cette bourse-là. Voilà, donc les gars, je vais juste vous montrer un peu, pour trêve de bavardage, je vais juste vous montrer un peu comment est-ce qu'il faut postuler pour pouvoir passer de l'admission et aussi avoir cette bourse-là pour pouvoir postuler. Voilà, donc je répète encore, cette bourse-là, pour ceux de la licence, ça ne vous concerne pas parce que pour vous, la date pour pouvoir postuler, c'est en février, mais actuellement, ça concerne ceux du master. Voilà, et ce qui veut faire les éléments, les titres uniques, c'est-à-dire ce qui fait des spécialités. Vous comprenez? Voilà, donc pour le master, la date pour pouvoir commencer, c'est déjà commencé depuis le 3 décembre et ça va finir en mars 2022. Vous aurez les résultats en juin 2022. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors les gars, on y va et puis on va essayer de le faire ensemble. À tout à l'heure, les gars. Allez, salut, salut les gars, voilà, c'est toujours moi le Sam Hospital et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Voilà, donc aujourd'hui, comme vous voyez là à l'écran, là tout est en italien. Voilà, et aujourd'hui, je suis là juste là pour vous présenter la bourse de la Bologne. Voilà, et pour cette bourse là, c'est une bourse italienne. Et pour l'instant, la bourse est ouverte pour ceux du master. Voilà, il y aura très bientôt les étudiants de la licence, pour ceux qui veulent postuler pour la licence, mais pour le moment c'est le master. Voilà, donc pour cette vidéo, pour ceux qui font la licence, c'est pas vraiment la peine de voir, de regarder la vidéo, c'est pour le master. Voilà, donc pour pouvoir postuler cette bourse, c'est très simple. Voilà, il faudra juste avoir vos éléments comme d'habitude, c'est-à-dire le passeport, les bulletins et tout ça.
Et pour pouvoir postuler à cette bourse-là, vous allez venir juste ici, par exemple. Vous allez voir en même temps la date limite et puis aussi voir les éléments et les temps pour lesquels il faut postuler. Voilà. Donc, vous venez dans ici, services et opportunités. Vous venez dans bourse ici, vous étudiez subvention et vous cliquez là. Voilà, vous allez arriver sur l'interface qu'elle a. Vous allez voir directement les types de bourses, tout ce qu'elle a. Tout ça sont des bourses, vous voyez. Voilà, tout ça sont des bourses. Maintenant, vous devez savoir quelle est la bourse à laquelle vous allez postuler. C'est ce qui est très important ici. Donc ici, appel à candidature, classement pour les activités collaboration, 150 heures. Ça, c'est pas pour nous. Donc, je viens là, bourse d'études et exemption pour les étudiants et pour les étudiants internationaux. Donc ici, je vais cliquer là. Vous pouvez prendre la bourse qu'elle a, mais c'est après que je vais faire une vidéo pour ces bourses-là. Voilà. Pour l'instant, la bourse qui nous intéresse, c'est la bourse Unibo Action. Voilà, donc pour ceux qui veulent postuler, bourse d'études et dispense de frais de scolarité. Pour les étudiants internationaux méritants qui souhaitent s'inscrire au programme du premier cycle, vous avez vu ici, il y a programme du premier cycle, mais pour l'instant, pour le premier cycle, la date n'est pas encore, ce n'est pas encore ouvert. Donc, vous ne pouvez pas pour l'instant postuler. Pour l'instant, ce qui est déjà ouvert, c'est ceux ou bien les bourses du second cycle, comme ça, et pour les cycles uniques. Donc, faites une demande d'appel Unibo Action 1 et 2 pour les obtenir. Donc, pour pouvoir postuler à ça, après, je vais faire ce qu'il y a là aussi. Et puis voilà, il y a plusieurs types de bourses, mais pour le moment, je vais d'abord choisir Unibo Action 1 et 2. C'est ce qui nous intéresse pour l'instant, comme je vous ai déjà dit. Voilà, donc vous cliquez sur Unibo Action 1 et 2 et vous allez voir les types de bourses à laquelle vous devez postuler. Ok, donc arrivé là, vous allez voir un peu. Vous pouvez postuler pour Unibo Action 1 et 2 si vous possédez ou bien si vous êtes sur le point d'obtenir un diplôme valide pour accéder au programme d'études de votre choix, délivré par un établissement en dehors du système éducatif italien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un premier temps, vous devez être hors de l'Italie et c'est ce qui est bien pour vous. Et puis, ceux qui sont par exemple comme ça en licence 3 aussi peuvent postuler pour cette bourse-là. Vous comprenez? Si vous êtes en licence 3, vous devez juste présenter vos relevés de la licence peut-être 1 et 2. Comme ça, vous allez pouvoir postuler pour cette bourse-là. Voilà, donc vous passerez l'un des tests suivants avant la date limite de candidature si vous souhaitez vous inscrire dans un programme en diplôme du premier cycle ou cycle unique. Voilà, ça c'est pour le premier cycle, mais comme je vous ai dit, pour le premier cycle, la date est un peu très éloignée, c'est en février que ça va commencer. Donc c'est pourquoi je vous ai dit que pour cette bourse-là, ce que la vidéo que je suis en train de faire actuellement, c'est pour ceux du master et du doctorat. Voilà, et vous avez au moins vous avez moins de 30 ans à date limite de candidature. Ça c'est pour ceux de la licence. Voilà, nous ce qui nous intéresse c'est pour le master, parce que vous voyez ici le calendrier c'est quoi, c'est en février 2022 que pour la licence va commencer, en février 2022, et la date limite ça sera en avril, les résultats seront en juin. Nous c'est pas ce qui nous intéresse, ce qui nous intéresse c'est pour ceux du second cycle. Ici, appel à candidature Unibo Action 1 et 2 pour les étudiants qui souhaitent s'inscrire dans un programme de diplôme du second cycle. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est ici qui nous intéresse parce que la date de candidature, c'est du 3 décembre au 31 mars 2022. Voilà. Donc, c'est ici qui nous intéresse. Donc, pour pouvoir postuler, quels sont les éléments dont on a besoin pour pouvoir postuler? Ici, je peux venir là. Ici, renouvellement de bourse d'études action 1, action 2. Ça, c'est pas ce qui nous intéresse. Ici, la candidature doit être soumise exclusivement via le lien qui est là. Donc, pour pouvoir vous inscrire, vous allez venir sur le lien qui est là. Mais pour l'instant, nous allons voir un peu quels sont les éléments dont vous avez besoin et ensuite voir comment est-ce que vous pouvez postuler à cette bourse-là. Donc, important, vous devez passer le test SAGREG et TOLL avant la date limite de candidature. Et la seule date à venir pour passer le SAT est là, en dehors de quoi, des États-Unis, et le 12 mars 2022, avec la date d'inscription au 11 février. Voilà, ici le SAT et puis les éléments qui sont là.
C'est juste des examens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ceux qui ont fait les mathématiques, par exemple, comme ça, vous allez faire un test en mathématiques qui va vraiment prouver que vous maîtrisez les mathématiques. Ce n'est rien d'autre que un petit test pour voir un peu si vous maîtrisez les bases déjà des mathématiques. C'est tout. Voilà, donc c'est pas grand-chose. Donc, comme je vous le disais, pour pouvoir postuler, c'est très simple. Vous venez dans Studenti Online, c'est en italien. Voilà, donc vous venez là. Une fois que vous arrivez là, vous allez d'abord créer votre compte. Voilà, vous allez vous enregistrer ici. Une fois que vous finissez de vous enregistrer, maintenant vous allez faire un login et par la suite vous allez pouvoir postuler à la bourse de la Boulogne. Vous comprenez? Voilà, donc je vais essayer de m'arrêter là et puis je vais faire une vidéo pour chercher à m'enregistrer et essayer de postuler pour l'admission afin d'obtenir une bourse. Cette bourse là, c'est une bourse qui est vraiment qui est hyper réelle. C'est une bourse qui est hyper sélective. Donc, si vous voulez vraiment postuler, essayez de le faire très attentivement et puis essayez de suivre la procédure pour pouvoir postuler. Voilà, donc à tout à l'heure, les gars, pour une nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'il faut postuler pour pouvoir avoir cette bourse là. À plus, les gars.